Ah, merci beaucoup d'avoir été là en si grand nombre. Alors, c'était vraiment plaisant aujourd'hui. J'espère que vous avez eu un événement aussi plaisant que celui qu'on a vécu, en fait, pour vous. Et pour la première fois, il faisait beau. Donc, on peut donner une bonne main d'applaudissement au soleil. Merci. Un truc de malade. Les compétiteurs sont déjà là, ça a déjà été assez long pour vous. Alors, troisième position, ils ont fait toute une course. Première fois que les deux étaient réunis ensemble dans un véhicule. Je vous demande de les applaudir très fort, Pierre Dubé et Nadine Simon! En deuxième position, ils ont fait toute une remontée, surtout lors du dernier stage, la dernière spéciale. Normalement, on les retrouve en quatre roues motrices. Il y aura des surprises cette année, c'est à voir. Alors, ils sont gentils, ils sont sympathiques. Franck Lenier et Larissa, deuxième position. Et finalement, en première position, le Pôle Position Magazine les a... caricaturé spécialiste de l'asphalte. C'est encore le cas. Peter Robinel et Daniel Héroux, première position. On peut leur donner une bonne main d'applaudissement. Nos meilleurs en John Nichols, mesdames et messieurs. Alors, troisième position, il n'avait presque plus de pneus avant la dernière spéciale. Ils ont ramené le véhicule ici, troisième marche du podium, André et René Leblanc, les applaudis bien fort! En deuxième position, on a un jeune pilote qui a de l'expérience à ses côtés en tant que copilote. Alors vous avez compris qu'il s'agit de la voiture des carrés. On les applaudit très fort, c'est-à-dire, j'ai oublié le nom, Karel et Bruno Carré, on les applaudit, bravo! Quelle course! Félicitations! Merci beaucoup! Et finalement, en première position, ils avaient remporté le rallye ici l'an dernier, ils avaient tout remporté en fait. Ils recommencent la récidive, Maxime Labrie et sa conjointe Annick Morette. Ils étaient les seuls inscrits dans cette catégorie pour le deuxième rallye consécutif. Mais encore faut-il terminer le rallye avec le véhicule en bon ordre et avec les pilotes aussi en bon ordre, ce qui semble être le cas. Ils ont réalisé l'exploit encore une fois. Il devrait y avoir plus de compétition, plus que les étapes vont avancer dans le rallye Saguenay-Lac-aux-Sables, Charlevoix. Ils terminent quand même premier. Et là, on fait comme s'ils ne savaient pas. Ça va être un truc de malade, vous allez voir. Benoît Carimé, Carl Cumiri, Pierre-Olivier Courcelle, on vous applaudit! Ouais! Nos meilleurs en Coupe du Québec, mesdames et messieurs! Ils n'ont pas le choix! Ouais, ils n'ont pas le choix de s'arrêter. Oui,
Oh. 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 Oh.